Bonsoir et bienvenue à Kamikaze, l'émission qui est un peu comme une saucisse hot dog. On ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que c'est complètement improvisé. En plus, elle est plus fraîche parce que plus de gens mangent et... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Alors, notre premier invité ce soir, un excellent auteur, compositeur, interprète québécois. Donc, il est beau, il est fin, il est gentil, mais il n'y a pas de maudite scène. Jean-François Aubé. Notre deuxième invité est belle, elle est bonne, elle est drôle, elle joue régulièrement au théâtre québécois, donc en pas de maudite scène, Diane Lavallée. Et notre troisième invité est un grand comique québécois qui fait des festivals, des spectacles tout partout au Québec, donc il n'y a pas de maudite scène, Martin Petit. Et finalement, bien sûr, il est comédien, comique, il fait des spectacles au Québec et en France. Eh bien, il doit être plein de cash. Michel Courtemanche. OK, on va jouer au cadeau de fête. Alors, c'est pour Michel et Martin. Michel, tu vas donner un beau cadeau à Martin. Ah. Alors, toi, tu sais c'est quoi. C'est nous quoi? Autres aussi. Mais Martin, même s'il est bien content, il ne sait pas du tout c'est quoi. Ah, c'est alors, fou. À travers les questions qu'il va essayer de deviner, c'est quoi le cadeau. Alors, Michel... Viens ici. Après, cadeau. Là, je vais te dire le cadeau. Dis-le pas. Cadeau dans le char. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Ah, OK. OK. Alors, tu es prêt, tu rentres en scène et tu vas lui donner le cadeau. Par où je rentre? Vas-y. Non! Joyeux anniversaire! Tu l'as pensé! Oui. Il n'y a personne qui va donner le cadeau. Je sais, je suis le seul. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Regarde. Okay. Voilà. Je l'avais dans la face depuis tantôt. Je l'avais dans la face depuis tantôt. Ah, mais écoute, merci. D'abord, merci. Écoute, tout le plaisir est pour toi. Dis que j'en voulais un. Ben, je savais que t'en voulais un, puis surtout oui. Une place. Ben oui. Ben, pourquoi? Pourquoi avoir deux places quand tu peux en avoir quand une? Quand tu peux en avoir juste une. C'est ça. Ben, non, ben, je suis tombé dessus, mon gars, complètement par hasard. Ah oui? C'était, là, juste à côté d'un autre. Mais le fait L'autre était beaucoup plus gros, par exemple. Ah, là, ouais? Tu pouvais rentrer du monde là-dedans en masse, en uniforme, ce que tu veux. Mais celui-là, là... Mais en plastique de même, c'est rare aussi. Il est pas vraiment en plastique. C'est recouvert de plastique. Ah, c'est recouvert de plastique. Mais c'est de l'acier assez épais. Ah oui? Parce que tu veux vraiment pas que ça pète. Ah ben non! Ah non, non. Ah non, non. Allez, attends que je monte ça au monde dans la rue et je me promène avec ça, ça va-tu flasher? Oui, parce que ça va pas dans la rue. Oui. Ils vont dire, oh, tu t'en vas avec tes skis! Hein, oh, tu t'en vas avec tes skis! Hein, tu t'en vas avec tes skis! C'est ça qu'ils vont dire. Ben là, je peux pas faire du ski avec non plus. T'as pas, toi? Ah, c'est ça. Ben, cool, tu sais. Mais tu vas être plus confortable dans quelque chose de plus. De moins solide que de l'asphalte ou du béton. C'est. Ouais. Mais je vais pogner des filles avec ça. Wow! Hein? Moi, je te dirais plus de la morue. Ah oui! Ah oui, parce que... Mais ça, là, quand je vais en bateau, là, c'est ça qui est génial. Quand je vais en bateau, j'amène ça, puis je trippe, là, on se promène. Puis... Non, en fait, non, faut que tu utilises le Zodiac te rendre. Oui! Après ça, tu fais ce que t'as à faire avec. C'est ça. Ah, OK! Je peux y aller en nage, c'est pas important. Je peux y aller en nage, je peux y aller un peu dans l'eau, je peux y aller avec... plein d'enthousiasme. Oui. Écoute, c'est la première personne qui m'achète une île. Mmh. Ah! Non, fuck! Moi, aller le changer! Non! C'est pas ça que je veux dire. Je dis une joke. Mais c'est le nom, par exemple, de l'appareil. Oui, Nil. Lille. Lille, oui. Lille. C'est ça. Tu l'as appelé le même ou c'était... Je l'ai appelé le même. Lille. Mais c'est pas une île. Non, je sais que c'est pas une île. C'est en métal. Ben oui, c'est ça. Couvert de caoutchouc, tu sais. C'est ça, une personne peut rentrer dedans. Ben oui, c'est ça. Il y a un petit moteur avec un hélice. Ben oui. Tabarnak. Je te remercie de m'avoir acheté un mini sous-marin. Alors, on continue avec la boîte aux objets. Diane et Michel, vous allez jouer une petite scène. Mais pendant votre sketch, Martin, le snoro, va vous donner des objets. Bien sûr, il s'agit de les faire entrer dans votre histoire pour que ça fit. Pour que ça fit avec l'histoire. Alors, le thème de cette charmante scénette, Diane soupçonne son mari Michel de la tromper. Quand vous êtes prêts. Qu'est-ce que c'est ça, Rose, un bâton de hockey, Rose?
J'ai trouvé ça dans ton sac de hockey. Peux-tu m'expliquer? Ben... Ça a l'air d'un bâton de bébé. Ben, écoute... Peux-tu me dire d'où vient ce... cette savonnette aussi qui était dans ton... Ça... C'est une savonnette... Ça, sincèrement, je ne sais pas. T'as aucune idée? Non. Ça... Écoute... C'est pas à toi, ça. Il va y avoir quelque chose d'écrit là-dessus. Le pas, où t'écris partout, là, maintenant, t'sais. Oh, la belle petite raquette légère! Ben, écoute, j'en avais deux, je marchais dans la neige, mais là... Mais du stock dans ton... Je le sais, mais tu sais... Je... Ben oui, je t'ai trompé. Mais c'est ça que je le savais. Je suis désolé. Mais comment ça se fait? J'en pouvais plus. Je pouvais ça, un gars mort. C'est l'image que j'ai. T'es un gars mort. Je le sais. Mais comment t'as pu me faire ça, regarde, le petit gars? Puis comment as-tu pu me faire ça? Arrête de le dire à tout le monde. Il m'a trompé. Arrête de le dire à tout le monde. Je veux pas que tout le monde le sache. Christy va aller passer à ton heure. Mon Dieu! Non, je comprends, par exemple, mais... Alors, youpi, on va jouer à assis, penché, debout. Yeah. Alors, Jean-François, Michel et Martin, come on down. Voilà. OK, c'est facile. Pendant qu'il y en a un qui est assis, il y en a un qui est penché, l'autre est debout. Si un change de position, l'autre doit le remplacer. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de assis, quelqu'un de penché, quelqu'un de debout. On va demander au public de nous choisir une occupation pour vous autres. Là. Vous avez des ça, idées? Ça, c'est vous autres, ça. Ébéniste. Policier. Ben, entre ébéniste qui gosse du bois, puis un policier va prendre un policier. Alors, OK, votre thème, c'est trois policiers, on va dire, sur la scène d'un crime. Okay. Vous discutez de ça entre vous autres. Assis, penché, debout. Vous êtes prêts? Yeah. C'est parti. Comédienne morte dans un théâtre. Ouais, mais... Qui avait tué? Un classique. Oui. Un classique. J'ai déjà vu ça souvent. Écoutez, regardez. Que se passe-t-il? Le sang coule vers le nord. Je suis penché. Oui. Je suis penché sur la question. Attention au centre, vos jambes. Le sang coule vers le nord. Hein? Le nord. Qu'y a-t-il vers le nord? C'est-à-dire... Hein? Hein? C'est-à-dire que... Oui. Elle a été assassinée en Alaska, mais le corps s'est rendu jusqu'ici. Peut-être. Peut-être pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que si je regarde ici de près, le sang couler... Oui? On s'aperçoit que... que le criminel... Oui. A laissé une lampe de poche. Oui. Et que sur cette lampe, oui? Il y a probablement des empreintes. Je vais me pencher et ramasser la lampe en enfilant un gant. Veuillez le mettre dans le sac à évidence. Hein? Allez hop! Mais qui allons nous le donner? Nous allons le garder. Nous allons le donner au DA. Au DA? Au DA. Au DA. You know. Mais qui est le DA? John Smith. Hein? Je vous jure. Bon, mais écoutez, je vous dis, puisque j'en ai... S'en fout. Alors, tous ceux à la maison qui sont assis, peuvent rester assis. Ceux qui sont debout, ben, allez chercher quelque chose à manger. Puis ceux qui sont penchés, ben, profitez-en pour y aller. On s'en va à la pause commerciale. OK, on continue. On va jouer aux objets. Alors, on joue en équipe, Jean-François et Diane, et Michel et Martin. Alors, bien sûr, c'est très simple. Vous me trouvez le plus d'utilisation possible pour les objets que je vais vous fournir. Alors, s'il vous plaît, Jean-François et Diane. OK, prenez la mort. Ça, c'est pour vous autres. Ça, c'est pour nous, ça. Ah, okay. C'est nous autres qui avons. Et ça, c'est pour vous autres. Bon, déjà, on a un gag. Ça, c'est clair. Vous êtes prêts? Vous commencez quand vous voulez. Fine. Oui, allô? C'est pas un oiseau du paradis, mais c'est quand même ça. Oh, merci, la belle fleur. Oui, oui, on va t'adopter pareil. Oui. On va t'adopter pareil.
Il écoute pas. Un iceberg! Oh! Ah, chien! Ricola! Ricola! Bienvenue en France! On continue, on joue à qui sont-ils? Ça, c'est pour tout le monde ici. Alors, Martin, tu reçois, et c'est le party. Michel, Diane et Jean-François, vous êtes les invités de Martin, mais pas n'importe quel invité. Hein? Dans l'enveloppe, là, vous allez découvrir des nouvelles personnalités, hein? Okay. Qui vous êtes. Alors, vous allez regarder ça. Et à tour de rôle, vous allez sonner chez Martin, qui lui, bien sûr, va essayer de deviner qui vous êtes. OK? Alors, vous pouvez mettre en position de l'autre côté. Alors, quand tu veux. Alors, tout est là, les sandwichs, la musique. Hey, j'espère qu'on va avoir du fun, là. La gang sort. Et... Oh! Allô! Comment ça va? Comment ça va, Martin? Rentre. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein? Oui, mon beau lapin, toi. Hein? Ouais. Ouais, t'es un beau lapin? Ouais, c'est un beau lapin, mais. Ouais, t'es un beau lapin. Mais. Oui. Alors, c'est ça, mais tu veux-tu. Écoute, veux-tu du punch? Non. Non, pas de punch pour moi. Non? Mais je te dirais, en revanche, quoi de neuf, docteur? Oh! Écoute, Bugs, ça fait que je suis content que tu sois venu, mon bonhomme. C'est réservé pour toi. Oui. Oui, allô? Bonjour. Oh, salut, comment ça va? Venez-vous-en. J'ai tout amené, mes petits-enfants. J'ai dit tout amené. Venez-vous-en. Parce qu'on aime beaucoup les parties, puis moi, j'aime ça quand ils sont tout autour de moi. Oui, c'est le fun que tu sois venu, mais je m'attendais pas que tu viennes avec toute ta gang de la garderie. Ah, oh, mais oui. Moi, je sors pas sans eux autres. Non. Ah, non, regarde, va pas là. Viens ici, hey, à côté de moi. Mon animatrice de garderie, toi. Non, mais quasiment, hein, tu sais. Allez manger, là, ouais, je suis derrière vous. Tout derrière vous. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Ah. Maman est là. Ça va être flyé, hein, faire un party avec une main poule. Ah. Ouais. Excellent. Oh, il y a quelqu'un. Hey, sauve-toi de devant le punch! C'est une façon de rentrer chez le monde, ça? Tu me cherches-tu? On va se taper un peu, OK? Hey, je suis pas habitué de me battre avec des gros gorilles. Tu as du tape, toi? À côté du poster de Wayne Gretzky, mon joueur de hockey. Excellent! Alors, on va jouer aux effets sonores. Alors, c'est pour deux joueurs. Martin? Tu vas jouer une petite scène. Et Michel, tu vas faire tous les effets sonores pour Martin. J'ai un micro? On va te promener. Regardons ça. Alors, le thème de ton sketch, Martin, c'est très simple. C'est un gars qui entretient sa cour. Gazon et tout. OK? C'est parti. Rakakaka. Raka. Ha ha ha!
prochain jeu, c'est pour les cartes. Alors, vous allez regarder le moniteur. Vous allez acheter tous les produits annoncés. On s'en va à la pause commerciale. OK, alors un peu de sérieux parce qu'on va faire le téléjournal. Alors, c'est toi, Martin, qui va l'animer à cause de ta grande ressemblance avec Stéphane Bureau. Mais tous tes collaborateurs vivent, bien sûr, une petite crise personnelle. Alors, Michel, tu es le co-animateur, mais tu es sur le point de connaître un plaisir physique intense. Jean-François, tu es le chroniqueur sportif, mais tu rêves de devenir poète. Ah! Et Diane, toi, tu fais la météo, mais tu viens de gagner du million à la loto, puis demain, tu lâches la job. OK? OK. C'est prêt? Alors, bonjour, bienvenue à notre émission hebdomadaire, comme à chaque semaine, avec moi et mes amis. Nous allons parler de divers sujets d'actualité. Alors, Rodrigue, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va bien. Oui. Ça va bien, puis dans la plupart des pays aussi, ça va super bien. Alors, on passe tout de suite au sport avec Marc-André. Marc-André, match de lutte hier au Centre Molson. Un moment tragique. Les lutteurs dans une léthargie rappelant une tempête abyssale. Du sang, de la douleur humaine, de l'émotion, une foule qui regarde la lutte. Cette lutte devient le pion du peuple. Merci, nous allons venir. Nous allons venir à cette lutte. Laisse-les continuer. Et moi, seul parmi ces gens illettrés, communiant avec eux, la douleur des lutteurs qui combattent et qui donnent leur sang. OK, c'est bon. Oui, ça nous a fait plaisir. Merci, Marc-André. Alors, allons voir ce qui se passe au niveau de la météo. La météo, il fait beau! Il a fait beau hier, il va faire beau demain. Dans trois semaines, il fait beau! Il fait beau partout dans le monde, de Paris à New York, à Los Angeles, à Chine, à Tokyo. Il fait beau! Bon, alors, je crois qu'on va avoir un super week-end, un week-end chaud. Ça va être chaud. Ah oui? Alors, j'ai hâte au week-end. Mais laisse-parle. Oui, Marc-André, alors le match de lutte, qui a gagné? Tiger Wilson. Ah! Mon Dieu, que je ne suis pas à ma place dans ce putain! Non, Marc-André! Je suis comme un bateau ivre! Oh, Marc-André, tout le monde t'aime ici, n'est-ce pas, André? Mais qu'est-ce que l'amour? Oui! Moi, je... Ah non, je ne peux! Attention, ça va chatouiller parce qu'on va jouer à sans les mains. Alors, Martin et Jean-François, Martin, tu vas donner un cours d'étiquette de bonne manière à ton élève Jean-François. Ah, facile, vous pouvez vous approcher. Et toi, Michel, ben, tu fais les bras de Martin. OK. Les bras de Martin. Mets les petits tabliers pour avoir l'air un peu. Tu t'attaches? Alors, Michel, t'as les miens, t'es venu. Ça va? Martin, c'est parti. Alors, bonjour. Vous savez, le cours d'étiquette de la Flaguet, qui est notre maison, insiste sur le fait que tout homme respectable doit savoir bien manger. Oui, vous savez, je me marie au mois de mai et mon épouse vient d'une famille tout à fait chic et je n'ai pas vraiment le contrôle de la table et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, par exemple. Tous les hommes qui viennent ici, la première leçon, c'est d'abord savoir manger du poulet. On dit qu'on peut utiliser les doigts. Est-ce que c'est vrai? Non, jamais utiliser les doigts avec le poulet. Jamais. Plutôt prendre la fourchette. Oui, c'est parce que ma vue a baissé dernièrement. Et j'ai un kiss. Oui. Hey. Et trois bras. Et alors, grâce à ce couteau. Oui. Parce que vous savez très bien qu'à l'origine, le couteau était une cuillère. Oui. Donc, la cuillère est l'ancien mot pour couteau. Enfin, alors, grâce à cet ex-couteau, je... Oui. Ce que je fais, c'est...
faut bien attaquer avec le torse bien en avant, et ouvrir le poulet. Mais ça, jamais devant un invité. Ensuite, on le prend, on met dans l'assiette, Et là, ce qui est typique oui. chez les gens, oui. c'est d'aller... Oui, je comprends très bien. Oui, ce qui est typique, c'est... Oui, j'aurais dû faire cela avant, mais... J'ai compris. Oui. J'ai compris pour le couteau. Oui. Vous savez, les... Mais j'aperçois ici une bouteille. Oui. Et dites-moi, comment on ouvre une bouteille déjà ouverte? Je ne sais pas. La bonne manière. Oui. Vous répétez, Suzanne. Est-ce que c'est un bon vin? Laissez-moi vous aider. Je crois que... Vous avez vu? La bouteille a tenu. Mais comment c'est doit-on comme lâcher ça, la bouteille? C'est comme ça qu'on échappe une bouteille. Très bien. Comme ça. Oh, nom de Dieu! Non, vous avez raté. Oui, alors... Mais le pain lui-même... Je ne vous écoute pas. Le pain lui-même... Oui. Le pain lui-même... Ne doit-on pas le beurrer? Alors, j'étais en train de compter les points ici. J'ai compté les points et je m'en fous complètement. Alors, on va dire que c'est Michel qui gagne avec le pain dans la bouche. C'est déjà fini. Alors, on remercie nos invités et tant qu'à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir. Bonsoir. Montez le son. La fureur, c'est dans 2 minutes.